À propos des gens que tu aimes, un duo que j'ai rencontré, oui. Ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais ils sont venus enregistrer, c'est Richard Galliano et Sylvain Luc. Alors Richard Galliano, un des plus grands musiciens jazzman accordiste du monde. Les deux, hein, tous les deux. Hein. Et Sylvain Luc, grand guitariste qui a travaillé sur ton disque, le dernier. Qui est beaucoup plus connu dans le monde entier qu'en France d'ailleurs. Exactement. Ils ont eu l'idée d'enregistrer La Vie en Rose, des rencontres avec Édith Piaf et Gus Viseur, qui était un très grand musicien. On va les écouter. Ils sont venus enregistrer Les Amants d'un jour de Marguerite Monod. C'est pour toi et j'ai bavardé un petit peu avec eux. Avec on a plaisir, parlé avec plaisir. Richard Galliano, Sylvain, Luc. Richard Galliano et Sylvain Luc, merci d'être là. Vous consacrez un album, La Vie en Rose, rencontre avec Édith Piaf et Gus Viseur. Il faut rappeler qui était Gus Viseur, parce que c'était un de vos maîtres à vous, non? Bien sûr, c'est le premier accordéoniste de jazz, purement de jazz. Des années jouait 30. Des années 30, 40, qui jouait beaucoup avec Django Reinhardt, d'ailleurs, il à l'époque. Il a accompagné Édith, non? Il a accompagné Édith aussi, oui. Et c'était bon, ils sont nés tous les deux à la même date, en 1915, et donc ils seraient centenaires cette année.
Et voilà, on avait très envie de leur rendre hommage et surtout de jouer leur musique. C'est ça. On a reconnu les amants, mais il y a la foule, il y a la compagne de la butte, il y a tous les grands succès de Piaf et de Marguerite Monnot. Un peu d'appréhender ces chansons comme on fait avec des standards de jazz qui sont des chansons américaines. Nous, on a voulu faire du jazz avec des chansons françaises. Vous, Michel Fugain est content que vous soyez là parce que vous avez beaucoup travaillé sur son dernier album. Oui, j'ai travaillé sur les guitares, c'est vous ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai travaillé sur l'album de Michel, sur Pluribus, en fait. Et c'était un vrai bonheur. J'étais très, très, très heureux de le rencontrer. Puis voilà, c'est un grand compositeur, auteur, compositeur, bien sûr, quoi. J'étais très heureux, vraiment. Et je voudrais avoir une pensée pour Claude Nougaro, car je peux pas vous rencontrer sans penser à Claude. Ah oui, non, c'est sûr. Il est toujours présent. D'ailleurs, je joue toujours une de ses compositions à tous les concerts. Oui. On applaudit Richard Galliano et Sylvain Luc. Voilà, Michel, c'était pour toi. Bonheur, Galliano, bonheur. C'est pareil. Ah, c'est deux pointures d'énormes, quoi. C'est des gens, ils sont musique. Alors maintenant, je les aime. Tu as voulu recevoir sur ce plateau quelqu'un.